Bonjour, aujourd'hui premier produit terminé pour moi. Voilà, je mets de côté depuis un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Et je vous montre tout ce que j'ai terminé comme produit, si je rachète ou si je rachète pas. On va commencer par le basique, les gels douche. J'en ai deux de chez Yves Rocher, le grenade et le fleur du lotus. J'aime beaucoup moi les gels douche d'Yves Rocher, j'achète pas grand chose d'autre de chez eux, peut-être si des produits pour le bain. Mais les gels douche j'aime bien, j'en avais acheté il y a quelques mois, il y avait eu une promo, mettait un pack de 10 pour 15€. Ça le revenait à 1€ donc 50 par gel douche de 200ml. Et j'en suis ravie, évidemment il y a des senteurs que j'aime plus que d'autres. Mais j'aime bien, c'est une consistance selon les bouteilles, soit gel, soit crème. Mais voilà, ça mousse bien, ça sent bon, ça sent pas trop fort. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus, j'en rachèterai très certainement des gels douche Yves Rocher. J'ai fini un petit savon de Marseille extra pur cerisier que j'avais eu dans une Birchbox. Ça, j'avais pas été super fan parce qu'il était très liquide. Il ne moussait pas forcément énormément, enfin voilà, celui-là non je ne le rachèterai pas. Encore une Birchbox, un gel douche de chez Rituals, et ça je l'avais eu il y a un mois ou deux, je l'avais présenté en vidéo. Donc c'est le Ritual of Sakura, et en fait contrairement à ce que je disais dans la vidéo, ça ne sort pas directement en mousse. Ça sort sous forme de gel, mais dès que ça communique avec l'eau, ça mousse. Et c'est une mousse très fine, qui a une senteur subtile. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'irai pas jusqu'à l'acheter en full size, parce que moi, les gels douche, au-delà de 2€, c'est trop cher pour moi. Celui-là, je pense qu'il est bien au-dessus de 2€. Mais cela dit, le temps qu'il a duré, j'ai bien apprécié. Toujours sous la douche, je tenais à parler du savon Saforel, qui est un savon intime, mousse lavante ultra douce, toilette intime et corporelle usage quotidien. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que celui-là, c'est celui qui m'avait été demandé sur ma liste pour la maternité quand j'ai accouché de ma fille, début janvier. Et qui est donc pour... qui protège et apaise les peaux très irritées. Autant vous dire que quand on accouche, on a la peau très irritée, on va dire ça comme ça. Bref, c'est une mousse qui est vraiment très agréable, voilà, qui est très très douce et qui m'a duré vachement longtemps puisque 250ml, c'était facile pour moi de calculer. Je l'ai commencé le jour de la naissance de ma fille et je l'ai terminé quand elle a eu 3 mois et demi. Donc voilà, 250ml, ça dure 3 mois et demi avec un usage normal, hein. Donc ça dure très longtemps et très très efficace. Je l'ai eu moi en pharmacie, je ne saurais pas vous dire si on le trouve chez Carrefour ou autre. À voir, en pharmacie, de toute façon, il se trouve. J'ai terminé un shampoing de la marque Jean-Marc Magnetis, qui était le Shana Attraction, shampoing brillance et fluidité, que j'avais eu avec le club des créateurs de beauté, qui donc n'existe plus depuis un bon moment. Figurez-vous que j'ai encore un autre shampoing de chez eux en backup. Donc mon histoire avec eux n'est pas tout à fait terminée. Voilà, bon, moi les shampoings... Comment vous dire, c'est un shampoing qui lave. Voilà. Il était censé me donner les cheveux brillants. Ouais, il lave quoi. De toute façon, je pense pas que vous puissiez l'avoir, à moins que Jean-Marc Magnatis continue, lui, à faire ces produits-là. J'en sais rien. Les cheveux, toujours. J'ai terminé un shampoing que j'avais eu dans une Birchbox, qui est le CC Shampoing, shampoing complet multifonction de chez la marque Rich, qui était un format 50ml, ce qui n'est pas trop mal pour un shampoing. Encore une fois, ça lavait, c'est tout ce que je lui demande. J'ai terminé deux mini shampoings secs, toujours chez Birchbox. Donc un Baptiste pour la couleur Dark Brown et un Amica à l'argousier. Voilà. Les deux font tout à fait bien leur job, qui est de, voilà, d'enlever l'excédent de sébum quand voilà, on n'a pas forcément le temps de se laver les cheveux, quand on a envie que ça dure jusqu'au lendemain. Voilà, ça fait son job. On vaporise pas trop près, on frotte un petit peu avec les doigts, avec une serviette, on brosse. Il laisse pas trop de résidus, franchement ça va, ça m'a pas choqué.
Le batiste est un peu plus blanchâtre, mais ça s'élimine bien en fait. Donc voilà, les deux, je pourrais racheter l'un ou l'autre. J'ai un autre batiste là de chez Birchbox que je suis en train d'utiliser. Mais quand j'en aurai plus, pourquoi pas en acheter un des deux, ça ne me dérangerait pas. J'ai terminé un beurre corporel de chez Body Shop qui était, je crois, une édition limitée pour Noël à la prune givrée. Qui sentait vraiment très bon. S'ils leur font un Noël prochain, je leur achèterai. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas toutes les odeurs de chez Body Shop. Alors moi, personnellement, j'aime pas du tout tout ce qui est trop sucré. Donc les trucs à la fraise, au chocolat, etc. etc. Je suis pas fan. Celui-là, il est sucré, mais vraiment pas trop, juste ce qu'il faut. Donc oui, j'hésiterai pas à le racheter, celui-là. J'ai terminé une crème pour les mains d'une marque que je ne connais pas. Et je ne sais pas où vous pouvez vous la procurer. Donc ça, c'est clair. C'est la marque Les Achats Malins. C'est une crème main aux extraits naturels d'aloe vera nourrissante et hydratante que j'avais eu, il me semble, dans une bitrousse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept. C'est pas un abonnement mensuel. Ils vous envoient, quand ils ont une trousse de prête, ils vous envoient le contenu. Donc il n'y a pas de surprise, c'est que des full size. Et voilà, vous pouvez l'acheter pour, je sais pas, je crois que c'est entre 70 et 80% de réduction par rapport à si vous achetiez tous les produits séparément. Vous n'avez pas le choix des produits, mais vous savez ce qu'il y a dans la trousse qui va vous arriver. Et donc voilà, j'en avais acheté quelques-unes à un moment donné, et j'avais eu ça, je l'ai terminé. C'était une crème pour les mains tout à fait correcte. Cela dit, moi j'ai pas de problème de sécheresse sur les mains, donc j'ai pas besoin de quelque chose particulièrement costaud. Donc si vous avez les mains très sèches, je ne peux pas vous dire si ça vous conviendrait. Et en même temps, vous ne savez pas où l'acheter. Voilà pour ça. Et pareil, toujours dans une bitrousse, j'avais eu une crème hydratante de la marque Idriska. Crème hydratante visage nourrit et hydrate la peau sans parfum, sans parabène pour les peaux sèches. Et elle faisait, tenez-vous bien, 75 ml. Ce qui est pour une crème hydratante et un super gros format. Du coup, j'ai mis une éternité à le terminer. Je m'en servais comme crème de nuit, si je me souviens bien. Je l'ai bien terminée, elle est toute fine. Et c'était une bonne crème. Voilà, mais j'avais pas du tout de sensation de sécheresse après. Donc voilà, bien. Mais encore une fois, dans une bitrousse, donc je ne sais pas où on pourrait se la procurer. À part sur le site de bitrousse, peut-être. Idriska. Deux autres crèmes hydratantes, c'est de là que j'ai eu chez Birchbox. Donc une de la marque Polar. La voici, qui est de la nuit polaire. Crème revitalisante aux algues boréales. Qu'est-ce qu'une algue boréale? Je n'en sais rien. Mais voilà, il y avait ça dedans, qui faisait 25 ml. Je m'en suis donc servie comme crème de nuit. Ça m'a tenu un mois, je dirais. 25 ml, c'est pas mal hein, pour une crème hydratante de chez Birchbox. C'est pas mal du tout. Par contre, elle était assez épaisse. Et du coup, il en fallait en mettre une bonne dose pour pouvoir couvrir l'ensemble du visage, parce que vous savez, c'était pas le genre de crème qui s'étale énormément. Voilà, donc je comprends qu'ils nous en donnaient une belle quantité, puisqu'il en faut une bonne quantité à chaque utilisation. Et j'ai bien aimé. De là à la racheter, c'était pas le coup de cœur à ce point-là, mais j'ai apprécié. Et j'ai eu un petit échantillon d'une crème de chez L'Occitane, qui est la crème confort légère karité 5%. Donc là, pour le coup, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 8 ml. Donc ça m'a duré quoi, une semaine. Elle sent bon. Celle-là, j'ai bien aimé, mais L'Occitane, c'est un peu cher, non? Je sais pas. Disons que si on me le ferait, je la réutiliserai avec plaisir. De là l'acheter, peut-être, peut-être un jour. C'est pas inenvisageable. Toujours chez nos amis de Birchbox, j'avais eu une lotion tonique et dynamisante express de la marque Les Anges ont la peau douce, qui était l'eau bleue des anges. Est-ce que vous allez voir quoi que ce soit? Ce n'est pas sûr. Et moi j'aime bien en fait le matin, ça dépend, en fait je change quasiment tous les matins. Des fois je me lave avec une mousse, des fois je me lave avec une crème, des fois je passe juste un petit coup de lotion. Et pour ces jours-là, elle était très bien, c'est-à-dire que voilà, elle était rafraîchissante. Elle enlevait éventuellement le petit peu de sébum qui a pu se produire pendant la nuit. Et ces matins-là, ça me suffisait largement. Donc voilà, je l'ai terminée. Elle m'a duré peut-être un mois, mais en l'utilisant pas tous les jours. Elle faisait 30 ml.
Cela dit, j'irai pas jusqu'à la racheter puisque dans les lotions, moi ce que j'aime bien c'est avoir un côté astringent puisque je peux avoir de temps en temps quelques problèmes de boutons et du coup la prochaine lotion que je rachèterai elle sera au zinc ou un truc comme ça quoi. Celle-là c'est vraiment juste pour rafraîchir. J'ai terminé, toujours dans les soins de peau, un Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, un 30 ml, qui coûte un bras, une jambe, un coude, etc. etc. Même le 30 ml, il coûte plusieurs dizaines d'euros, c'est infernal. Cela dit, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je pense que je le rachèterai un jour. Peut-être bien que de temps en temps sur Sephora ils font le super gros format de genre de 80 ml ou 100 ml avec une bonne réduction par rapport aux 30 ml. Si ça, je peux le combiner avec un coupon de moins 20 ou moins 25%, je pense que je recraquerai parce que je l'aime bien. Cela dit, j'aime bien aussi le Clarins, vous savez, le double sérum de Clarins que j'avais déjà utilisé. Je l'aime beaucoup aussi, donc ça sera un des deux pour le prochain. Là j'en ai deux ou trois des sérums dans mon placard à utiliser avant, donc ça sera pas pour tout de suite, mais oui, il se pourrait fortement que je le rachète un jour celui-là, il est vraiment bien, il est vraiment agréable. De là à vous dire que il m'empêche d'avoir des rides, alors ça, j'en sais rien, je vous dirai ça dans 20 ans. Mais en tout cas, il est très agréable à utiliser. Et là, on va partir sur les produits de maquillage que j'ai terminés. J'avais reçu chez Sephora gratuitement un petit échantillon du primer de chez Makeup Forever, qui est le Step One, la base lissante. Qui est bien. Ouais. En fait, moi je l'utilise, j'en mets une petite noisette toute petite. Je l'utilise essentiellement sur le nez parce que c'est là où j'ai des pores dilatés. Et puis ce qui me reste sur le doigt, je vais le mettre un peu sur le menton, un peu sur le front, un petit peu sur les joues ici. Et en fait, ça permet que le fond de teint ne rentre pas dans les pores, que le fond de teint ne fasse pas, que les pores soient plus visibles. Donc en ce sens-là, il est pas mal. Hein. Il n'est pas miraculeux, on est bien d'accord. Mais il est pas mal et je pourrais tout à fait envisager d'acheter le full size. J'ai terminé mon petit échantillon de chez Benefit, une base illuminatrice. Qui s'appelle la Girl Meets Pearl. Donc il n'a pas vocation, je crois, de fixer le maquillage plus que ça. Qui est un fluide nacré pour le visage et c'est vraiment ce que ça fait, c'est-à-dire que ça met de la lumière. On l'applique, moi je l'applique avant mon fond de teint. Je pense qu'on pourrait le mélanger à son fond de teint également. Et ça donne une peau un petit peu plus lumineuse. Je l'ai terminé, j'ai rien de négatif à dire dessus. Si ce n'est que c'est pas forcément une étape dont j'ai besoin, moi personnellement, donc je pense pas que je rachèterai. Cela dit, c'est un bon produit pour celles qui ont besoin d'une base illuminatrice. Alors j'ai terminé, non, il est tout neuf, grosse déception. J'avais acheté un marqueur de chez Kiko pour les sourcils, un feutre à sourcils anti-trace. Ah bah ouais, tu m'étonnes, anti-trace. Je m'en suis servi deux fois. Et il est tout sec. Voilà. Donc la grosse déception, bah, il ne sert plus à rien quoi. Voilà. C'était en teinte 02 si ça vous intéresse, mais ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Toujours chez Kiko, mais celui-là il m'a un peu plus emballé. J'ai terminé un gel à sourcils. Qui était à la base clair mais qui forcément s'est teinté avec le temps. Voilà. Il est bien, il pointe bien les sourcils. Encore une fois, moi j'ai pas des sourcils complètement foufou, donc j'ai pas besoin d'un truc hyper costaud en termes de fixation. Il était bien pour ce dont j'avais besoin. Et oui, sûrement que je le rachèterai, puisque Kiko est quand même une marque qui est abordable. Et pour tous ces petits trucs, j'ai pas envie de mettre 20 euros dans un gel à sourcils, quoi. Et les deux derniers produits que j'ai à vous présenter sont deux correcteurs que j'utilisais en alternance en fait. Donc du coup j'ai terminé à peu près en même temps. Donc le Radiant Creamy Concealer de NARS dans la teinte Vanilla. Donc je l'ai raclé autant que faire se peut. J'ai même enlevé le stopper là au bout. Donc là je peux plus rien faire pour lui là. Il est vide.
Je le rachèterai avec grand plaisir. Je l'ai bien aimé celui-là. Là, j'en ai au moins 3, 9, 4. Donc, ça sera pas pour tout de suite, mais quand j'aurai besoin à nouveau d'un anti-cerne, ça pourrait très bien être celui-là, je l'aime beaucoup. L'instant anti-âge, l'effaceur yeux de la marque Je mets Maybelline. Et alors celui-là, je l'ai acheté parce que toutes les youtubeuses en sont folles. Et en fait, je pense que je n'ai pas pris la bonne teinte. Donc je l'ai bien aimé, hein, puisque je l'ai terminé de toute manière. L'embout mousse est très agréable. Mais moi, je l'avais dans la teinte 22 beige rosé. Et je crois qu'il y a une teinte qui est mieux, qui est plus claire et qui permet d'illuminer en fait le dessous des yeux. Donc cette teinte-là, je la rachèterai pas, même si j'ai rien de fondamentalement contre à dire dessus. Peut-être qu'à l'occasion, si je tombe dessus, j'achèterai la teinte illuminatrice. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous l'écrirai en haut de l'écran. Cela dit, je vais pas parcourir 50 km pour aller l'acheter, quoi. Je l'achèterai si je tombe dessus, quoi. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour de tous mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt.